Et bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo et on se trouve aujourd'hui du coup sur Solaria. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'avais déjà commencé à jouer, j'ai 15 millions. C'est la V3 qui a ouverte, et ben je sais pas quand, hein, honnêtement, démerdez-vous. Du coup, la V3 a ouverte et du coup, j'ai déjà commencé à jouer, j'ai déjà 15 millions de monnaie et j'ai déjà le grade bourgeois, voilà, je me suis mis très très bien. On a PVP avec d'autres gens, j'ai eu une sangsue, j'ai eu plein de petites armes intéressantes, dont une petite langue de Satan qui me met très bien cet épée, vaut à peu près 12 millions. Honnêtement, même 15 millions, vu que c'est une obscure. Enfin, moi, je la vendrais 15 millions, honnêtement. Voilà. Donc, j'ai fait un seul kill avec. Je n'ose pas la sortir. Elle coûte 12 millions, d'accord? Ça commence à faire beaucoup. J'ai 5 petites clefs à vous ouvrir. Donc, on va les ouvrir. Et j'espère avoir un petit peu de chance. Et on va faire un truc, c'est que tous les likes, honnêtement, je vais vous ouvrir une clefère. Je sens que je vais regretter ce que je viens de dire, mais j'en ai rien à foutre. Donc, tous les likes, on va ouvrir une clefère. Donc, la première, 50 000. Voilà. Une clé diamant. Ah, j'ai envie de la garder pour plus tard, mais. Une clé. Putain, non, normalement, je n'ai pas de chance. 50 000 et un œuf de grip. Ok. Petit œuf de grip, assez sympathique. Clé diamant qui nous offre 16 stacks de psy. Je vais prendre instantanément parce que j'ai une petite base à faire. Et honnêtement, il faudrait que je vous la montre. Et la petite clé émeraude. Pardon? Non, c'est pas possible! Lerol, t'es connecté sur Solaria? Ouais, pourquoi? tu peux ouvrir le chat? Le grade empereur dans la caisse émeraude! Mais quoi? Il a eu le grade empereur! Le dernier grade du jeu! Mec, j'étais en rec et j'étais là en mode ah, on va ouvrir une petite clé émeraude! Quoi? Mais quelle pute! Le mec a le grade empereur, quoi! Attends, t'appuies sur tab, tu vois qu'il y a 4 personnes qui ont le grade empereur. Ouais, je suis tout en haut. Mais je viens de passer de bourgeon. Oh mec, oh, c'est parfait, mon record est parfait. Enfin bref, nous voici dans notre petite base, notre petit FM qu'on a fait en je sais plus combien de temps honnêtement. Je crois qu'on a dû le faire en 2 ou 3 heures. On a une autre petite base de stockage et encore là-bas, on a encore une autre base de stockage. Mais bref, voilà, on a tout fait en Opsi. En vrai, on sait pas s'il y a beaucoup de pièges sur le serveur, donc on sait pas si on doit s'inquiéter. Ça c'est de la décoration, voilà. C'est pas si honnêtement c'est beau, mais en vrai, je trouve que c'est un petit style quand même. Niveau stuff du coup, hop, ici on a des petits coffres avec du P4, des petits arc punch, enfin bref, voilà. On est pas mal niveau stuff honnêtement. Honnêtement, j'aurais besoin que vous me disiez si les joueurs qui jouent sur Solaria, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de pillages? Parce que là actuellement on est en train de miner énormément autour de la base pour faire des protections. Mais bah on sait pas si elles serviront vraiment parce que actuellement on a genre 2 ou 3 couches de psy et bah je pense c'est suffisant. À moins qu'il y ait vraiment des assauts. Et là bon, il faudra qu'on remette en question un peu tout l'état de la base. Mais s'il n'y a pas d'assaut, bon bah honnêtement on va rester avec 3 couches de psy. D'ailleurs, petit aparté, je vous invite fortement à rejoindre le Discord parce que je vais faire gagner des épées modif là-bas. Et aussi des épées, enfin du stuff P4 basique. Bah vous rejoignez le lien. Il est dans la description, il est affiché à votre écran. Voilà, vous pouvez pas. Vous n'avez pas d'excuses. Vous savez pas lire ou vous savez pas écrire, vous n'avez pas excuse, le lien est... Vous cliquez dessus, cliquez, juste, point. Je dois vous avouer, j'ai pas mal farmé entre les deux séquences, j'ai 82 récompenses. Au début, en fait, je comptais, bah, juste, j'ai commencé le lundi, ensuite j'ai voté tous les jours, enfin, j'ai voté quand je pouvais, quoi, j'ai pas mis non plus un réveil toutes les 2 heures parce que je suis pas malade. J'ai voté à chaque fois que j'y pensais, du coup, ça m'a fait 82 récompenses. Je pensais, en fait, que les doubles votes, bah, c'était tous les week-ends, et du coup, bah, je me suis dit, go économiser pour le week-end, sauf que malheureusement... Bah pas vraiment, hein, ça fonctionne pas comme ça. Du coup on va tout récupérer maintenant, comme je suis connecté en jeu là tout de suite. Donc récupérer, voilà, 82 récompenses. Bon, il faut croire que j'ai vraiment pas eu de chance. On va en ouvrir quelques-unes je pense, j'ai bien envie d'en ouvrir quelques-unes. Oui, mon EC est un peu, oui. J'ai quelques clés, oui, il est vrai. On va en ouvrir une dizaine, vous savez quoi, une petite dizaine. On espère avoir un peu de chance, du coup première clé. Un kit chevalier, je n'en veux pas, 50 000. Une clé or. Un œuf de creeper, une clé diam. Oui. Bah oui le jeu, bah vas-y, je ne te dérange pas, vas-y, donne-moi plus d'argent. 100 000, 100 000, clé. Alors, je vais vous avouer, sans record, je n'ai pas de chance, et là, ah là juste, ah ouais, là, ah là tu m'as chié dessus là. Clé diamant, 1 million, 5 œufs de grip, oh, c'est toujours ça. Une clé émeraude, 10 œufs de grip. Là je sais, 59 de grip, qu'est-ce que vous voulez? Non mais vous voulez quoi? Vous voulez quoi? D'ailleurs on est en train de faire un Discord de faction, donc il y aura mon Discord communautaire pour ma chaîne YouTube en description et le Discord de faction pour la faction SSS. Ouais, vous avez pas le droit de critiquer le nom, je sais que c'est complètement con, mais ben, ça sonne bien en fait. Honnêtement, hein,
Ça sonne vraiment bien, je trouve. Bah bref, du coup, si vous voulez le rejoindre, on fera plein de petits concours sur Solaria ou tous les prochains serveurs Faction. On va faire plein de petits concours avec du stuff, de l'argent et tout à gagner. Donc, vous pouvez le rejoindre, il est en description. Vous pouvez même rejoindre les deux. Sur les deux, je vais faire des concours, je le sais, parce que voilà, je suis un peu riche, c'est tout. Et bien, re-YouTube, du coup, je fais une petite aparté. Je vous mettrai un petit timecode pour ceux qui me suivaient pas avant cette vidéo-là. D'ailleurs, si vous êtes nouveau, bah bienvenue. Et j'espère que la vidéo vous enjoy. Je sais que, du coup, au début, je voulais arrêter Minecraft et tout ça, mais du coup, j'ai décidé de revenir. Pas que sur du faction, mais ce jeu me tient beaucoup à cœur et j'aime beaucoup faire des vidéos dessus. Du coup, bah, je me suis dit pourquoi pas reprendre Solaria et tout ça comme à l'époque. Et si vous êtes encore là, malgré le FK littéralement de 5 mois que j'ai fait, et ben je vous remercie en fait d'être toujours là. Ça fait vraiment super plaisir. Et du coup, j'ai décidé de faire une chaîne League of Legends, donc dédiée à League of Legends, et une chaîne dédiée à Minecraft, donc Ashblade-MC et Ashblade-League of Legends. Voilà, du coup, vous serez pas emmerdé par mes vidéos League of Legends. Les streams, j'essaierai de varier de temps à autre du League of Legends, du Minecraft, et sur ce, bah écoutez, je vous remets la vidéo et je vous remercie énormément d'être toujours présent. Bref, on se retrouve dans le FOM de la faction qui s'est fait piller. Bon, oui, je sais, on a merdé, on s'est fait piller, c'est pas grave. Enfin si, c'est un peu grave, mais j'ai perdu, je crois, à peu près, je sais pas combien de stuff P4. Ici, cette base-là, bon, elle était pas finie, elle s'est fait raid, c'est un petit BK, voilà. Oui, on est plusieurs à jouer dans la faction, les recrutements vont être bientôt ouverts, pas d'inquiétude. Ici, cette base-là s'est fait piller, bon, c'était surtout une base décoration. Il y a un autre BK, je sais pas s'il s'est fait piller, et il y a le mien. Mais qui s'était fait défoncer, hein. J'ai des screens si vous voulez, voilà, des petits screens. Il s'est fait défoncer. J'ai perdu à peu près 2 des 7 P4, je dirais. C'est pas non plus insane, mais ça pique un peu. Mais malgré ça, bah du coup, j'ai fait un truc full haut. J'ai enfin fait les cops sécu parce que les cops sécu étaient même pas faits en fait. Le spawner, il a survécu. Je remercie les mecs qui nous ont pillés. Au moins, ils ont pas pété tous les spawners. Bon, c'est des spawners à blaze, j'utilise pas, je m'en branle, mais bon. Et ils ont pas pété les coffres ici qui étaient dans la lave. Bon, il y avait du stuff. Un peu intéressant quand même, mais ils les ont pas pété, et ils ont pas pété ces deux coffres là, donc arc de gemme, arc rudimentaire, plein de petits punch, voilà, et plein de petits T5, malgré les T5, c'est nul, c'est éclaté. Ça fait à peu près 2 semaines que je recorde cette vidéo. Du coup, si vous êtes encore là, je sais que chronologiquement, putain de mot de merde, chronologiquement, c'est pas très, voilà, ça suit pas trop. Honnêtement, ça, j'ai mis 2 semaines à faire cette vidéo, je n'ai pas réussi, voilà, donc là j'ai encore des Clefairs Aware, enfin, voilà, si vous voulez, 500 000, voilà, un œuf de Creeper, super, hop. Bref, sur ce, c'est une fin de vidéo, merci à vous d'avoir regardé jusqu'à la fin, sachez que ça fait vraiment très plaisir, parce que, bah du coup, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, il est possible que j'ai fait quelques erreurs, que j'ai pas assez rythmé et tout ça, bref, vous avez une grosse vidéo qui arrive la prochaine fois. On s'est fait raid et tout ça, et cette fois j'étais là en train de défendre, en train de record, en train d'un V4. Elle sera énorme la prochaine vidéo, enfin sûrement la prochaine. On verra quand je l'upload parce que ça prend du temps. Sur ce, abonnez-vous, likez et rejoignez Discord. Et je vous dis à la prochaine, c'était Ashblade, salut.